Yo tout le monde, c'est Loué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2019 Nancy-Lille. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée de football. Un petit mot sur les conditions de jeu pour commencer et un pied de nez au Cassandre de la météo qui nous annonçait de la pluie. Certes, le ciel est menaçant, mais pas de gouttes pour l'instant. Bref, rien de tout cela n'a réussi à décourager les supporters qui sont très nombreux et qui vont soutenir très fortement leur équipe. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. C'est un grand jour pour ce jeune joueur qui s'apprête à disputer son premier match en équipe pro. Eh oui, il devrait apporter sa fraîcheur, sa fougue. Et d'après ce que j'ai entendu, il n'est pas mal du tout. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Sur le papier, c'est un système très compact et défensif. Mais il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Il est bien possible que ça évolue, par exemple, en 4-3-3 en attaque. Ce n'est pas parce qu'on a un milieu de terrain ultra fourni qu'on va se contenter de défendre. Détrompez-vous. On va voir ce que nous réserve ce match. C'est osé. Oh, voici Ben Yedder. Macho. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Bien servi. Il peut y aller. Et c'est dedans, but. Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Ah oui, il fallait pas arriver en retard pour ce match. Espérons qu'il reste sur la même lancée. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il allonge vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. Ben Yedder dans la surface. Il peut frapper. Un long ballon vers l'avant. Nakulma. Laisse Nancy Lorraine qui a trouvé l'efficacité offensive. Ça fait 5 matchs d'affilée maintenant qu'il marque systématiquement. Nancy qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de couloir, mais en plus, ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Va-t-il en profiter? Il y a danger. Van Persie! Et ce ballon encore écarté! Il domine carrément en ce moment et s'est passé tout près, 2-3 fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Il est passé! Laisse Nancy Lorraine qui peut, on l'a vu, compter sur son entraîneur pour faire la différence. Oui, enfin, le mérite en revient aussi à ses joueurs. Hein, parce que passer à 3 défenseurs en plein milieu de match, c'est pas évident.
La passe dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Vincent. Oh, le coup de tête! Oh, c'est un arrêt important, ça! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! De la tête! Et ça ne passe toujours pas. Boussoufa qui cherche à construire. C'est parfait, magnifique. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Belle passe lobée. Ça joue à gauche. C'est joué long, attention. Un centre tendu, à ras de terre. C'est une occasion, ça! Pour trouver la faille dans la défense. Le faut tirer, là! Et c'est au fond! Et ils sont revenus à hauteur. Et oui, il n'y a pas que le kick and rush dans la vie. En enchaînant quelques passes, on peut aussi faire des dégâts. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? Oh, quel geste! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Ça va sur l'aile. Et le raid côté droit, il a du soutien. Il prend sa chance. Oh, but pour Lille! Et ils prennent l'avantage! Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Ils savaient exactement quand et comment cette passe allait être jouée. Ses coéquipiers se comprennent, mais à la perfection. Et les voilà donc en tête. Mathieu qui est récompensé de son pressing. Il est côté droit, il y a un truc à faire. Oh, le contre, l'arme fatale. Il y a peut-être un coup à... Il tente la frappe. La Koulma. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Balmont qui met un terme à cette attaque patiemment construite. César Navas. Ça va très vite sur le côté gauche. Oh, l'inspiration! Oh, voici Matuidi. C'est bien fait, ça.
Jean Moutinho. Quelle occasion, attention! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Il met le pied, ballon récupéré. Boussoufa qui concède un coup franc. On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 3 buts en première période, mais ils sont menés 2-1. Et c'est reparti. Et aucun changement n'a été effectué avant la reprise. Avec Ben Yedder. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le centre dévié par le défenseur, ce sera un corner. Attention la frappe! Oh, c'est au fond! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Boussoufa qui inscrit là son premier but de la saison. Les voilà avec 2 buts d'avance. Oui, ils se sont donné un petit peu d'air. Ils pourraient bien décider de gérer la suite maintenant. Il joue dans l'espace. Il y a danger. Le bon, il frappe. Et ils alourdissent la marque. 3 buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Oh, c'était jamais facile les face-à-face avec le gardien. Mais il est resté lucide. C'est super bien joué ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. Trois buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. Boussoufa, ça manque de soutien. Et il repique au centre. Van Persie, la relance côté droit. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il était bien présent. César Navas. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Il est passé. Énorme occasion. Oh, le poteau. Quel manque de précision. Carte, ça joue long. Allez, ça peut faire mal. Dans la surface. Ah, l'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon.
Ce n'est plus du marquage, c'est du harcèlement. Ah, il était temps, mais bon, il en a déjà mis trois. Il y a peut-être un coup à jouer. Mais il continue sa course. C'est parti. Allez, jusqu'au bout. Oh, c'est dedans. Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Rendez-vous compte, il a marqué 4 buts à lui tout seul aujourd'hui. Ce match est en train de devenir une véritable correction. Mais le ballon a franchi la ligne. Il glisse le ballon en profondeur. Il choisit la profondeur. Oh, l'interception! Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Balmont qui choisit le côté gauche. Le bon dribble. Il progresse encore. Il peut en profiter. Ça peut être dangereux. Et c'est intercepté. C'est dégagé. Il est bien placé. Oh, voici Ben Yedder. Là, il peut centrer. C'est bien fait. La passe est précise. Van Persie. On n'est pas passé loin d'un score de tennis. Oh, que c'est dur. C'était une occasion en or. Ils sont forcément en confiance sur les corners. La tête, elle est magnifique. Bel arrêt. Ça joue à gauche. Matuidi. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. Oh, la frappe. Jourdain, super arrêt. Et ça fait but. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Il a marqué quasiment sur son premier ballon. Quelle efficacité! Lille qui procède à un autre changement. Il mène largement au score, c'est le moment rêvé de faire entrer un jeune joueur pour qu'il engrange un petit peu d'expérience. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Et il tombe sous la pression pour trouver la faille dans la défense. Ce contre peut très bien aller au bout. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a danger. Oh, Forlan. Attention, la frappe! Bonne interception, il y avait danger.
Nancy a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Il est passé dans la surface. Il rejoue derrière lui. Et il tire. Il préfère jouer avec son gardien. César Navas. Il décide d'allonger le jeu. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Et c'est directement récupéré. Donc ça va partir vite. Jean Moutinho. Balmont. Ça peut partir en contre. Bon, voici Matuidi. Il y a du mouvement. Balmont qui est à l'origine de deux buts dans cette rencontre. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, quel geste! C'est bien donné. Ouf, un peu d'air. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils n'ont pas fait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. C'était vraiment une belle soirée d'arène. Un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite. À bientôt. Avec grand plaisir, Grégoire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!